Gentil proverbe créole l'a dit, dit diable bonjour, la manjou, pas dit bonjour, la manjou. Compatriotes haïtiens frères sœurs, non moment n'a parlé à ces soucis qu'a contré. L'armée d'Haïti décidé rentrer col dans bataille pour souveraineté pays ya. Dans l'ep tout l'ouvri, AMID qui c'est association militaire d'Haïti, yo bail ambassadeur américain Denis Hankins 72 heures de temps pour ramasser baklan clan pour le faire valise li pour quitter pays ya. M'pa caché dire gen en pile réaction. Gen politicien qui commençait mettre koyo dehors, gen politicien qui commençait paniquer peur pour yo pas perdre visa yo. Situation an li compliqué. Ancien président Joslem Privier li parle ou pral konnen nan bon ti mamite ki sa koze an ye. Yon l'autre bord, Donald Trump ak aliye li yo nan peyi États-Unis commence frappe sérieux haïtien et surtout migrant yo nan question programme payroll que administration Biden nan yo te mette en place. Je nous cap constater là, ça son jugement définitif que yon juge et yon juge que Donald Trump te nommé en 2016, eh bien, li commence mette fin nan programme payroll que administration Biden nan te mette en place pour te faciliter regroupement familial. Nous pral ba ou plus détails nan dossier si la. Qui ça a passé entre conseil présidentiel transition avec équipe Gary Conil non moment n'a parlé à là après grand corps diplomatique là te fin fait une réunion avec acteurs concernés nous pral ba ou détail puisque gen pile information qui déjà a circulé sous disposition qui commence prend nan mi-temps de branche exécutif là nous tout connaît ingénieur Claude KPK. Malgré un pile et un pile aide, malgré un pile bagaille que ingénieur Claude dit même n'a fait pour aider communauté haïtienne non, eh bien, gagnon a tout fait, on s'est fait ils sont 100 fois ni loi qui débarquer dans Wanamet ak poignal nan mel k'ap chercher ingénieur Claude côté Claude pour le poignarder ingénieur Claude et gain détail nous pral partager ensemble avec vous puisque Claude dit même li parler senti la ville menacée. Nous pral konnen qui disposition qui prend et qui ça qui supposé fait tout on conseil ou te kabali dans commentaire qui a pédé en pile par rapport à situation ça. Déjà m'abdou bienvenue sous TAC 509 tout haïtien connecté dans émission mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous porter information pour vous pour nous brasser l'idée sur tout petit détail important qui concerne et pays nous Haïti. Compatriotes haïtiens frères sœurs, je m'annonce dans grand titio et bien depuis la campagne Donald Trump il a gagné position claire sur question immigration et toute campagne li cheval de bataille c'est question immigration et bien déjà là gagné gros disposition qui commence prend qui t'en met prend dans question et programme payroll que administration Biden n'a te mette campé. Donc déjà là gagné programme yore le payroll et payroll in place nan que gen yon juge et qui lui-même dans Texas dans district et Texas qui statué qui rend jugement définitif li côté yo mette yon bout nan programme zila et nan kad procès a te gen face à face sa li te fait entre état Texas avec et l'état fédéral, mais malheureusement administration Biden non, yo perdu et au profit de état Texas qui ont même pas dans danser collé avec question immigration hein. Et bien finalement là et programme ça qui te favorisé regroupement familial de pour marier avec un citoyen américain te gen possibilité pour entrer sous territoire américain hein, et automatiquement river ou gagner résidence ou gagner green card ou nan men ou et bien yo mette fin dans cadre programme ça grand pile inquiétude gen moun k'ap pose tête question qui avenir et moun ki tap tan non réponse favorable dans cadre programme ça et bien sou tap tan pour yo répondre nous dans programme payroll in place tan et bien automatiquement ki sa ka privé. Eh bien, programme nan, yo meton bout la dan li, c'est sûr que programme nan le campé. Et depuis le campé, ou pap ka rentre États-Unis sou pas programme sa, parce que juge nan considéré programme nan comme illégal, et procureur général Texas nan,
et gain procureur général Idaho en tout qui yo même avec une coalition de 14 états et d'America First Legal yo même yo remporté procès a yo fait connait que administration Biden nan c'est de manière illégale la fait migrants ça yo rentré et bien suite avec décision ça qui prend et pas bon côté tribunal là et bien yo a metté fin nan programme ça qui te facilité moun rentré aux États-Unis depuis 10 ans de pour marier avec un citoyen américain et ou bien tout depuis ou c'est petit citoyen américain donc yo te ka faire regroupement familial là juste ça qui relé et Campbell OK m'bral montrer nous bien voilà Campbell Baker c'est juste ça qui rend et jugement et en 2016 le Donald Trump était président c'est lui qui t'a nommé juge et nous ouais là et Donald Trump li réélu il a commencé à mener question immigration il a commencé à mettre frein dans question immigration donc il y a un pile monde qui a posé cette question qui ça pral fait également dans programme humanitarian parole là est-ce que programme et Biden là est-ce que y a campé le tout qui a venir monde qui rentre dans programme Biden là mais Donald Trump lui même il était clair sous position et plan gagne dans tête dans question immigration l'a appliqué li et depuis ces monde qui rentre États-Unis de manière illégale l'a refoulé il pas aucun problème avec immigration mais faut qu'on ca rentre dans pays de manière légale donc là son premier coup dur son premier attaque que migrants eux même yo subi et suite avec jugement si là qui rentre. Mais faut que moi dis nous tout gagné dans ville New York. OK? Dans New York là gagné Eric Adams qui c'est magistrat New York là, lui-même li prend disposition tête chargée là et migrants qui te konn bénéficier programme assistance sociale, yo te konn bay moun yo ti kòb chaque mois, yo te konn bay moun yo ti kat pou yo acheter manger, yo te konn bay moun yo manger, il décide lui-même li kapé tout programme. OK? Magistrat New York là kapé tout programme pour migrants. Sous tap ton fait moi là, ou t'as pral bénéficier et même programme assistance, magistrat kapé tout bagay. Là encore, c'est même plan immigration Donald Trump là, c'est même allié Donald Trump, c'est même équipe yo. Donc yo commencé vraiment, yo commencé à taper migrants, yo commencé à target migrants. Donc déjà là ka get fait tête mon idée. Et en 2025 là le Donald Trump monte d'ici 20 janvier 2025 qui disposition qui pral prend qui Jean Bagayo peut-être ka chavirer et dans question immigration. Et quel autre bagaille qui est extrêmement compliqué, quel bagaille qui plus grave toujours parce que pendant période campagne Donald Trump t'a parlé de possibilités qui gagne pour le mettre frein dans question et femme qui vient faire petit États-Unis et petit moun yo bénéficier de citoyenneté américaine, t'a parlé de bagaille ça. Donc là le monte là d'ici janvier 2025, on pas connait qui ça pral fait comme surprise dans question immigration. Nous pas connait parce que c'est le président pays, c'est la caille l'a gérer, c'est pays l'a gérer. Donc moun pas ka dire comment pour traiter question immigration la caille. Moun pas ka vinn faire ingérence dans question et politique intérieure la caille. Et c'est avantage ça regarde puissance gagner. Oui, pendant que yo abdou comment pour mener pays ou comment pour mener la caille pour gérer pays ou pas fouti ou bouchou même le yo a oppressé et ressortissant yo a oppressé citoyen pauvre oui ou pas quand même dit tweet ou pas quand même parler ah même parler mais yo même yo a prend dicté yo a bon dicté yo a ordonné yo a bon tout et yo a fait tout ça yo relé parce que c'est yo même qui chef c'est yo qui a commandé ou même ou c'est esclave par rapport avec yo même la faute à qui la faute avec peuple qui responsable qui choisit n'importe qui accepte n'importe qui rive au pouvoir accéder au pouvoir ou comprendre nèg sa colonne vertébrale ça qui dans CPT au niveau de la primature etc., qui pas ka garder étranger à danger pour défendre intérêt Haïti donc c'est là nous y est déjà là avec républicains qui commençaient véritablement qui commençaient à prendre des décisions qui ka gagner gros conséquences sur communauté haïtienne nan, aux États-Unis. Bien, compatriotes haïtiens frères et sœurs, je m'annonce dans le commencement de l'émission. Nous gagnons l'Association militaire d'Haïti, AMID. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, ils ont décidé pour bailler une réponse à l'ambassadeur américain de Nyankis.
Denny Hankins, yo estime, yo di ki genye plusieurs fly que le fait. Denny Hankins, si pas seulement et fait ingérence dans question politique interne d'Haïti, mais Denny Hankins, qui dans déclaration publique li fait, li montre proximité, li montre relation lien avec et coalition gang vivant ensemble, non? Eh bien, association militaire d'Haïti, militaire armé d'Haïti, yo ki regroupe yo nan association sa, yo bay CPT a on délai 3 jours pour CPT a déclarer persona non grata ambassadeur américain. Moi pral li pou nou ki sa ki di nan communiqué si la. L'association militaire d'Haïti a officiellement demandé dans une lettre adressée au Conseil présidentiel de transition CPT l'expulsion de l'ambassadeur des États-Unis, Denny Bruce Hankins, accusé d'ingérence dans les affaires internes du pays. Dans cette correspondance, l'AMID cite des violations de la souveraineté nationale et des liens présumés de l'ambassadeur avec des acteurs criminels. L'AMID accuse l'ambassadeur Hankins de s'ingérer dans les affaires internes d'Haïti en violation des dispositions de la Convention de Vienne de 1961, qui régit les relations diplomatiques entre les États. L'association dénonce une immixtion grossière, insultante et provocatrice de la part du diplomate par des déclarations publiques. La lettre fait état des violations spécifiques des articles 9 et 41 de la Convention de Vienne, qui exige le respect de la souveraineté de l'État hôte et limite les activités diplomatiques. Intelligence, rencontre, consultation au sein de son ambassade et partage d'informations de l'ambassadeur Denny Hankins avec des criminels recherchés par la police nationale d'Haïti. Infraction prévue par le Code pénal haïtien, accuse-t-elle dans la correspondance dont nous avons copie. Pour appuyer sa demande, AMID cite plusieurs événements récents, notamment la présence non autorisée de l'ambassadeur au ministère de la Défense haïtienne le 1er juillet 2024, ainsi que des déclarations faites sur Radio Métropole le 26 juillet, où il aurait prédit des actions judiciaires contre les membres du CPT. La note mentionne également des pressions présumées exercées sur l'ULCC pour la publication du rapport impliquant 3 conseillers du CPT. À l'aveu déclaratif et personnel de l'ambassadeur américain Denny Bruce Hankins, confirmant ses relations avec les gangs lors de l'émission Le Point de Radio Télémétropole le 24 octobre 2024, suivi de la publication d'une photo d'une rencontre entre l'ambassadeur et le chef de gang Barbecue de Vivre Ensemble le 26 octobre 2024, a souligné la note comme référence pour le CPT. L'association, qui considère cela comme une preuve factuelle de l'infraction prévue, brandit les dispositions des articles 45, 206, 225, 227 et suivants du Code pénal haïtien. Dans un message sur X, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, faut-il le rappeler, avait dénoncé la publication de cette photo sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur Hankins n'a jamais rencontré Jimmy Cherizier, ni aucun membre de gang haïtien avait démenti la mission diplomatique américaine. Au-delà des actions de l'ambassadeur, l'AMID dénonce l'influence croissante des lobbies internationaux et accuse certains responsables étrangers de contribuer à la déstabilisation d'Haïti. Le document évoque notamment l'ancienne chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Hélène Lalime, qui l'accuse de soutenir la Fédération des gangs, aggravant ainsi l'insécurité. L'AMID mentionne également le programme Biden qui, selon elle, affaiblit la capacité de réaction d'Haïti depuis 2022 en incitant à la fuite de ressources humaines qualifiées. Pour l'instant, le Conseil présidentiel de transition n'a pas encore réagi à cette lettre reçue le 6 novembre où il lui est demandé de déclarer persona non grata l'ambassadeur américain Denny Hankins. Lettre-là que
association militaire d'Haïti yo voyez by CPTA yo voyez depuis le 6 novembre jodi en 8 novembre yo, yo depuis le 6 yo man, yo by CPTA 3 jours pour déclarer persona non grata ambassadeur américain le 6 le 7 fait un jour le 8 fait un jour demain 9 là fait 3 jours et si demain passé nous CPTA pas réagi ça veut dire CPTA on il prend l'être là yo mettel la poubelle qui tel marché yo pas déclarer persona non grata ambassadeur américain de Nyankis et position association militaire d'Haïti prend gen pile moun qui réagit sous li gen moun qui dit que et militaire ça yo c'est sous foule la yoyé est-ce que yo maintenant tête yo CPTA c'est ambassade américaine c'est États-Unis mette CPTA CARICOM. Comment CPTA t'a pral fait déclarer persona non grata et ambassadeur américain? Gen moun ki di c'est nan rêve militaire et FADH, c'est nan rêve ancien militaire yo. On bagay kon sa pa janm rive fait, on bagay kon sa pa janm ka fait en Haïti etc., etc. Moi même ça me comprendre nan tout démonstration. Moi e volonté ki gen pa bon côté militaire yo pour yo défendre souveraineté pays yo. Parce que la militaire FADH, ancien militaire yo qui regroupé dans association yo dit tout ça en pile nan noir dit tout bas c'est presque chaque jour que des séries de moun m'a parlé avec des séries de amis qui dit Yannick pour qui ça yo pas déclaré personne non grata moun sa yo ka fait ingérence dans question politique interne et Haïti pour qui ça yo pas fait ci avec yo pour qui ça yo pas fait ça avec yo etc etc c'est des séries de bagaille. En pile moun qu'on a dit tout bas a chui et puis journée jodi a ouais c'est lui-même oui tout wo militaire ça ancien militaire ça nous ouais c'est position claire au prend pour yo dit CPTA mais qui ça CPTA supposé faire mais qui ça yo attend de CPTA mais là nous connaît conseil présidentiel transition monsieur Damio qui là dans lio en sérieux. En sérieux, monsieur dame sa yo, yo la se blanc mete yo. Yo la pou yo fè travail blanc, yo la pou yo fè job blanc. Madame yo apitit yo kote yo États-Unis. Madame yo apitit yo kote yo serre yo, kote yo caché États-Unis. Bon, Laurentien Sirli même qui se représentant secteur privé ya, monsieur sa, 6 mois agi 30 jours la don, la passe 25 jours de yo pays ya en voyage. OK, la passe 25 jours États-Unis, la passe 5 jours dans CPTA en Haïti. Donc c'est pour montrer où que moun sa yo, monsieur dame sa yo qui dans CPT, nèg sa yo, monsieur dame sa yo, yo pas vraiment gen aucun attachement avec Haïti sinon que yo gen pouvoir nan men yo, y a fait cob, yo a décidé pour un groupe moun qui pas même reconnaître gen légitimité pour ça. Et qui est-ce qui mette yo? C'est moun jounen jodi an que nous ta supposé prendre distance ton avec yo, que nous ta supposé et a convoqué yo, a mette l'ordre dans des ordres, a rappelé yo limite yo, c'est yo mette yo, c'est yo kal chèche yo, c'est yo nommé yo, etc. etc. C'est pour yo CPT a travail, c'est pour yo président CPT a travail, c'est pour yo primature a travail, c'est pour yo premier ministre a travail. Donc, est-ce que nous ouais bon bagay ki possible véritablement? Est-ce que nous avons un bagage qui a fait avec groupe Mounzayo? Mais démarche, honnêtement, démarche ancien militaire, démarche association militaire d'Haïti, sont démarche qui louable. Louable parce que yo wè ambassadeur dans déclaration vraiment, li viole souveraineté pays parce que ambassadeur étranger ou pas ka vin faire ingérence dans politique intérieure en pays. Mais nous wè ambassade américaine, nous wè corps groupe, nous wè représentant corps groupe yo. Nous, ouais, représentant BIM, comment le facile pour faire ingérence, comment le facile pour yo bay l'ordre, comment le facile pour yo convoquer, comment le facile pour yo faire dap. Mais tout ça arrive possible parce que dans l'État, nous pas gen moun. Dans le pouvoir, nous pas gen moun. Nous avons essayé de tchoul. Nous avons essayé de sousou, mais yo pas moun vrai. Yo pas venir avec les bagay pays. Yo pas là pour bagay pays. Donc, c'est ça qui est véritable problème dans journée jodi. Nous gagnons ancien président Jocelyn Privé qui lui-même lui réagit. Et dans dossier personnel non grata ça, gagne pile réaction politique, mais tout ne ça qu'a passé sous scène politique là CPTA avec primature, lui susciter en pile réaction tout. Et avant nous rentrer dans intervention privé là, nous pral font coup de pied dans Wanamet côté ingénieur Claude et qui lui-même l'a dénoncé
menace qui sous la ville, tentative assassinat, ok? Complot négat manigancé sous dol. Pendant que lui-même tout ça gagne dans l'esprit, tout ça gagne dans la tête, lui, c'est bonne volonté pour l'aider haïtien pareil. Ok? C'est volonté le gagne pour l'aider la République, pour le bail la République, pour l'aider compatriotes, nous, Dominicains, à déporter dans l'indignité, dans la violation de droits, etc., etc. On va regarder ensemble avec moi, ingénieur Claude, qui lui-même lui a expliqué dans bon petit mamite de qui ça le victime dans Wanamet. On va regarder et dire ça. Elle a dit nous, c'est qui ça va la lumière. Et bon, comme nous connaissons, bataille, ce que nous avons fait, et j'ai engagé pour immigrants, pour faire nous avec ces gens. Il y a fouillé, venu dans le pays. Oui, samedi, il y a fouillé, venu dans le pays, République Dominicaine. Alors, je dis à moi, pour les bis, chercher frère avec ses mains. Mais si d'après moi, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé un pile attaque. Depuis longtemps, il y a un pile attaque qui est d'après tout. Il y a un pile monde qui parle de ça qu'a fait là. Et c'est là que je suis un pile haïtien, c'est eux qui ennemi pour tête nous. C'est eux qui ennemi Haïti, un pile haïtien. Pendant que je descends de l'islam malfaiti, je vais chauffer à Alpran Mounio parce que je suis en contact avec le directeur ONM pour être capable de bailler le chauffeur avec tout le monde. Pour raison, je ne vais pas décider d'entrer à la main. Au quelques minutes plus tard, le chauffeur est là, qui est en train de faire avec coup de couteau, l'écraser vite, l'aller pour le tourner, côté Claude, côté Claude. C'est juste pour nous capables de comprendre. Comment la situation est présentée, qui s'acquire les méchancetés, qui s'acquire les malfroi, qui s'acquire les ambitions, qui s'acquire les jalousies, pour qui résout tout le bagage. Il y a des gens qui mettent en tête que l'ingénieur Claude a riche la fait fortune pour parce que nous mettons bis à la disposition de nous avec ses noms. Si nous regardons notre bis, nous avons gagné une vingtaine, douzaine de maillots parce que nous n'avons pas de ni Waname et nous n'avons pas ni Beladier. C'est comme ça, pas quoi, il est content de mettre en dedans là, il saccage vite là, vite bis là, ensemble avec le couteau, il manque de tirer chauffeur. Si ce n'est pas grimé, si de ça, je ne crois pas que nous avons chauffeur encore. Mais ça, c'est terrible. Situation est compliquée. Il est le temps pour que tout peuple haïtien, pour ne pas prendre 50 gouttes, pour ne pas prendre 100 gouttes, pour ne pas prendre 50 dollars, dans le meilleur colon ou bien dans mes colons pour qu'ils viennent détruire nous qu'à faire bagaille. Nous qu'à comprendre si nous tenons dis la qui quantité de coups de couteau que vagabond ça dans la main. Il pas joindre moi ou elle il manquait le chauffeur et lorsque il pas tuer chauffeur ou est qui ça le fait l'écraser vite là. Est-ce qu'on comprend? C'est juste pour nous capables de voir comment situation est vraiment terrible en Haïti. Mes amis, il est tenez même dis nous gagne pour monde dans pays là mais comme ça tout bon paquet de vagabond. Et vagabond yo pi minime yo pi piti ke moun sérieux yo moi m'a mandé me font appel à tout moun sérieux qui gagne à nous mettre tête nous ensemble pour que vagabond assassin chimè gang sa yo pour nous capable faire yo chercher route yo et route yo par l'autre côté que pénitencier route yo par l'autre côté que morcas route yo par l'autre côté que mettre yo dans prison et monsieur là nous croit que faut qu'il capable bay moun qui voyait le faire action ça sur nous. Parce que c'est vous, vous voyez. Vous avez pour on a gagné toute zone ça sous lui, pour on a gagné tout couteau ça sous lui. Vous avez cherché un seul monde, si ingénieur Claude, pour qui ça s'en fait. Est-ce que je suis volé? Est-ce que je suis assassin? Est-ce que je suis criminel? Est-ce que nous comptons de nous dans des qui vont? Nous pouvons jamais entendre ça. Et puis pour gagner tout ennemi ça dans Waname, mes chauffeurs manquent mourir sous compte moi. Pour qui résout tout dans les ça? Mais c'est assez. On a mis la main à jouer dans l'air. Est-ce que nous sommes partis de notre des pays à nous par contre pour nous voulons que pour que je sois capable de quitter le pays ou bien pour me quitter le département, aller vivre dans l'autre département pour me capable de venir aux 7 soldats. Franchement, je honte. Franchement, je voulais prier. Franchement, je me sens honte. Je me sens vraiment triste à la situation. Mais ma petite peuple là, moi je ne suis pas découragé. Parce que je comprends. Et c'est Colo qui voyait. C'est moun qui paraît mes travail m'a fait qui voyait monsieur vin assassiner moi. Mais chance pour moi il pas joindre moi. Yo te voyait assassiner moi jusqu'au naïf déjà. M'pas parler bagaille yo jan yo ya. Et bien mes connia yo nèg vini physiquement
puisque bis là a entré là prend direction frontière pour la prendre moun yo et bien chaque chef bis là ensemble avec coup couteau et il manquait tirer chauffeur sous responsabilité côté Claude yo pas ouais Claude mais mes amis pour tout cette bagarre ça yo on nous jeter la haine on jeter jalousie on nous jeter ambition on nous jeter vieux orgueil sale et travail yo pas fini. Et Haïti pas détruit, Haïti pas péri, c'est tête ensemble lié, c'est conscience que vous pas pour qui raison pour prendre 100 dollars ou bien 20 dollars pour être capable de détruire la vie, pour capable de détruire la vie chauffeur qui gagne madame, qui gagne petite, qui gagne maman, qui gagne un paquet de famille sous responsabilité. Ça fait honte. Franchement, je me sens déçu ensemble avec un jeune garçon. Ça, un jeune garçon qui moins de 40 ans, qui a un fou, qui a une détermination, qui est capable de travailler, il est obligé à faire des choses qui sont sales. Si ce n'est pas Bessap, nous ne pouvons pas chauffer. Si ce n'est pas Bessap, nous ne pouvons pas camper là. Wow. Ça vraiment triste, c'est vraiment compliqué. Mais ingénieur même... Claude, est-ce que donc, ça n'a pas décourageant puisque c'est Edouard aider et puis dans Edouard Baila, donc où la vie en péril? Et moi, pas décourager non parce que je suis un haïtien. Nous croyons que nous avons fait travailler ensemble avec plus technique, ensemble avec plus transparence. Et nous croyons que c'est le conseil qui permet que je ne me prenne pas pour ça. C'est parce que tout le monde l'aime. Il n'y a pas là. Et si je ne prends pas conseil, je dis à la nous ne pas jouer Claude. Et surtout, il y a un peu de monde qui a fait une déclaration sur Claude. Claude parle si Claude parle d'art. Et bien, il voulait pour la réaliser. Mais grâce à mon Dieu, il va réaliser. Nous avons veillé en haut. N'a veillé en bas, n'a fait toutes mes idées de précaution, n'a continué à travailler. Mais au seul bagage, je ne suis pas fait dans l'Odès pour que vous interdit de vivre dans l'Odès. Je ne suis pas capable, vous haïtien, pour que vous interdit de vivre en Haïti. Je suis adressé à l'État pays, chef du gouvernement, monsieur docteur Gary Koni. Je que dans l'Odès, sécurité a. Regardez, le niveau de sécurité a évolué, l'a augmenté. Nous avons la journée pour que vous avez couteau sur nous. Comment nous capables de comprendre ça? Surtout moi, même mon équipe populaire comme ça, pour qu'on ait des chercher dans 2h, 3h, 4h, pour que vous chacun fasse un coup de couteau. Tenez qui crime ça t'a pas lié. Ça t'a plus mal que Miloui, il t'a plus mal que Canaldo, et il t'a plus mal que Manon. Hein? Waouh, je ne peux pas comprendre la situation. Pour qu'il reste depuis au monde, pas de bien pour payer, il faut qu'il y ait gagné. C'est asile pour me prendre, pour qu'il soit capable de donner un simple chef. Bref, haïtien, changez l'idée. Changer de physique de l'épaule, je suis triste, c'est vrai. Je ne suis pas capable de faire ça. Je suis honte. Je ne suis pas découragé. Je suis honte, c'est parce que son jeune garçon, même qui est ensemble avec lui, qui accepte de prendre notre support dans quelques individus pour être capable de détruire. Pour venir craser notre programme social d'affaires. Mais si je dis nous sommes comme pas dans l'élection, je ne suis pas dans l'élection. Je ne suis pas gagner l'idée politique. Je suis seulement toujours à piller les gens que je remets qui a fait politique. Je suis remis visuel, je remets idéologie. Même j'ai tout le monde connaît que moi-même, je remets Guy Philippe, tout côté me passé. Mais on ne peut pas détruire pour parce que soit me fait un choix. On ne peut pas envie de tuer pour parce que je m'ai aidé frère ensemble avec ça. Tenez, dis-moi qui est ce monde qui a un problème à Haïti là, qui est l'homme qui ne pas participer. Et participer, participer, c'est même juste pour envoyer 100 dollars. Mais, premièrement, je ne vais pas avoir 2 femmes, pas 3 femmes, pas 4 femmes. Ça veut dire que si je dis encore, c'est pour faire travail diaspora. Qui est qui a des problèmes, qui veut me pas aider? Je ne vais pas avoir petite l'école. Mais c'est pour aider ça, je vais payer l'école plus que pour 5 personnes déjà. Oui, je ne vais pas avoir l'école. Est-ce qu'on comprend tout le sacrifice qu'on fait et pour inviter nous à venir tout? C'est pas bon. Là, nous sommes attendu ingénieur Claude qui t'a bail détail. Moi-même, question m'a posé tête, moi, c'est qui ça Haïti fait la payer? Comment faire? C'est toujours nous-mêmes, c'est toujours comme ça, c'est toujours comportement ça pour nous. Moi-même, toujours, l'homme qui a chose parler avec ingénieur Claude, nous toujours dit l'on seul bagaille. Il y a quelques initiatives qui prend, faut qu'il soit prudent avec eux, faut qu'il soit prudent dans la démarche. Parce que, je finis par constater, Haïtien, en pile nan nous, nous avons un comportement crabe. Yo a cherché de la guerre, nous a cherché retirer nous dans la situation que nous trouvons nous. Et c'est même nous même encore qui a cherché attaquer moun, c'est même nous même encore qui a cherché et mettre pour figa ba pied moun, c'est même nous même qui a souhaité mal pour moun. Bon, ingénieur Claude li décidé, li risquer vie li a aider l'autre moun,
Li nan machine nan bus tout journée, la fè voyage et nord-est al nan nord pays an, al nan al nan Latibonite, ale nan Gonaïve, ale nan paquet l'autre commune, al mette moun an tè, etc., etc., transporte moun. Transporte et compatriote nou yo République Dominicaine déporté. Mais li a fè sacrifice sans penser au moins même le moun yo ta instrumentalisé ou yo ta dou mais ingénieur Claude al fè l'on mal fòk au moins ta dit tout ou ap gade bien la fè pou moun yo avant al penser fè mal comme si pour un jeune garçon le parole pas tendé gros la journée pour le débarquer avec poignal nan mel pour dire vinn chercher Claude pour et poignandel l'elle pas jeune il craser vite machine faire dégâts etc. Donc moi-même dit tête moi pendant appeler haïtien pendant appeler des séries de fraîcheur haïtien nous qui n'a problème faut nous veiller sous tête nous avant parce que même mais où qu'on a plongé pour faire bien même moun ka prend en main même moun ka prend en mon là oui c'est même lui même encore yo ka instrumentaliser pour détruire la roue pour faire mal c'est même lui même encore yo ka utiliser pour éteindre soufou. Fais bien grand pile en pile bénédiction là-dedans. C'est moi qui dis le. Fais bien grand pile bénédiction. Alors font bien pour un monde sont pas attendant en retour ou joignent en pile bénédiction. Mais pendant on fait bien, faut qu'on garde à droite, faut qu'on garde à gauche, faut qu'on garde devant, faut qu'on garde derrière. Faut qu'on assure que on safe. Parce que monde qui vient attaquer là en pile fois c'est un don, il sorti, c'est un don, il cherche pour voir il vient attaquer. Donc li important pour ingénieur Claude faire en pile prudence parce que me toujours aimé dire la vie pas vendre dans marché si la vie te vendre dans marché li évident malheureux malheureuse pas t'a caché la vie parce que nèg pas bon ici yo t'a prend la vie comme si bien maman ou papa yo t'a prend le pour yo malheureux pas t'a même gien droit acheter la vie donc on veut nous comprendre nécessité qui gagne pendant n'a faire bien pour nous veiller sous tête nous parce que gen moun pendant n'a faire bien oui gen moun qui t'a plus remet ouais mal pour nous que toute l'autre bagaille que tout l'autre bagaille donc ça li té important nous gagné j'aime té annoncé l'an commencement émission hein? Nous gagné ancien président privé qui lui-même li réagit et sous question politique là li réagit sous question politique là li bay des détails et sous ça qu'a passé et avec Victoire Donald Trump là comment Haïti t'a supposé redynamiser diplomatie en tout ça et avant nous attendre Renaud Georges et avant nous attendre privé nous gagne Renaud Georges qui lui-même et il t'a parlé il t'a fait une intervention qui extrêmement intéressant on va le permettre nous tendre ensemble avec moi garder ensemble avec moi et qui ça et Maître Georges lui-même lui gagne pour en aller. Bon, ça me comprend des situations, hein? C'est ça me toujours dit depuis longtemps. Qui ça qu'on a dit? C'est quoi groupe là? Alors je vais parler de quoi groupe, il y a trois pays et qui mettent tête ensemble et depuis le Canada avec l'Américain la dernière, l'Angleterre la donne tout même si on attendait aussi. Non. La France, Canada, et les États-Unis et ou bien l'Angleterre. Haïti est un pays qui est extra riche. Nous gagnons un bon minerai extrêmement important que M. Damsayo décide pour nous prendre, pour voler, pour nous pas nous là-dedans. Donc, je préfère touiller le peuple là, touiller nous, disparaître nous, tant pour négocier avec nous. Et puis d'ailleurs, ça m'a dit là, m'a dit nous très bien, nous tous nous connaissons, bon, il y a même encore un boucher, il y a dit. Ok? L'homme m'a dit là, il m'a campé, il dit c'est pour gagner, mettre tête ensemble. Bon, moi, je ne suis presque pas prêt à dire gagner encore, je suis prêt à n'est-ce pas, théoriste américain, et mettre pour tuer le peuple là, et pour yo capable de prendre tout le bagage que nous gagnons, comme je dis tout à l'heure, et plus facilement, les yo
fédérés. Puis près nous là, l'autre jour sur Radio Métropole, nous tout en dit ambassadeur, dit que oui, ils ont parlé avec gang. Donc on a négocié dans Chita parlé. Ça a dit avec gang. Ils sont intelligents. Ils ont dit que il n'y a pas avec gang. Pour gang, pas tirer sur eux, pas tirer sur l'ambassadeur. Yo prend nous pour ma carte. Ça même mon petit monde descend pas prendre la donne. Bon, pour ça pour ambassade là, pas dit gagne plutôt déposer les armes ou bien n'est-ce pas finir avec l'armée et éliminer. Bon, pas pour mon chef, bon chef gang qui tombe. Ma comme si nous sur ça. L'autre passé pas tirer sur chef gang. OK. Parce que chef gang yo ce sont des employés des Américains. OK? Ce sont des amis parallèles, ils ont fait un pays. Oui, c'est terminé. Après, l'ambassadeur a fini de ça. Ça, oui, encore. Vous entendez, Barbecue Dou, ils ont venu chercher la Cali dans la réunion de l'ambassadeur. Pour appuyer la déclaration de l'ambassadeur. Et qui ça vient dire encore tout récemment là? Barbecue montré devant nous un passeport américain que l'ambassade consulat a délivré avec photo, mais il a changé nom pour le cavoir, pour le voyage. Donc, tu m'as madame Nguyen, petite Nguyen et tout. Mais. Pour service rendu à la nation. Barbecue, au petit j'ai précautionné. Il va finir faire confiance nette. Et c'est ça qui fait qu'il déclare ça. Il déclare, c'est parce que pas fait confiance. Parce que le livre est l'autre bois. Il n'y a pas qu'on se voit avec. Ou bien le livre est en l'air, c'est pas tout voué en bas. Et ce qu'on a. Monsieur prend précaution, et c'est ça qui fait qu'il dénonce ça. Donc ce ne sont pas des faits isolés. Ce n'est pas pareil que mon avons rêvé, ce n'est pas pareil que tout le monde a échec clair. Hein? Moi-même, Américain, je me suis dit non. Je n'ai pas négocié avant. Si je ne peux pas tuer le peuple là, je n'ai pas négocié. Parce que je ne peux pas mettre non, de toute façon. Je n'ai pas négocié avant, pour prendre. Comment vous prenez? Je n'ai pas fait relocation pour le peuple là, dans une zone où il y a. Nous placer là-bas une belle caille pour lui avec toute qualité commodité qu'il y a besoin. Et puis fouiller pour faire où et de bas notre panneau. On a pris que ni sous ma chair. Au moins, bas notre panneau pour nous mettre dans des gars qui n'ont pas le bruit de nous. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi ça fait mal pour moi, tout le petit bébé va épargner. Ah, mon cher, fondons mon dernier méchant, il faut faire comme ça. Depuis que nous avons parlé de démocratie, il y a parlé de démocratie. Qui démocratie ça? Donc, moi-même, c'est comme ça, monsieur. Moi, bagaille, il n'y a pas de temps à non? Même si vous ne pouvez pas vous venez de samedi là, vous comprenez. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de forêt, il y a qu'à se couper les gris. Et c'est une météo. Le cas est comme agir pour. Etats-Unis. Et comment dire, l'équipe pays ça, créer les gros groupes là. Donc, je mettais 9 nègres plus au goût, mais même pas des goûts, et puis je passais pas des plus au glas à faire. On n'a pas besoin de génie pour comprendre ça. Et si on faut se camper là, si on m'a toujours dit, je sens que dans le dernier jour ça, bataille s'est pété primature là. Me senti son distraction, c'est comme si moi yo ba nous on bagaille, yo ba nous on bagaille, tout moun wè li, nous focus sur ça gen sur s'est pété et puis gen l'autre bagaille qui pi enragé qu'a régler. Gen pi gros bagaille, gen pi gros intérêt qui en jeu qui sous table. Nous même n'a parlé de s'est pété, n'a parlé de bataille qui gen Gary Konya avec Leslie Volta avec reste CPO. Et pourtant gen des séries de accord qu'a signé. Gen gros l'argent kap dekesse,
tout bagaille ça yo a fait c'est même CPT à c'est même Gary Conny qui a fait yo. Donc ou a mandé tête tout au profit de qui est-ce? Nèg yo montre visiblement yo gagne différent, y a bataille, mais c'est même yo même kap entend yo kap si un contrat, c'est même yo même kap décaisser l'argent, c'est même yo même kap rencontrer avec grand corps diplomatique au profit de qui est-ce? Faut nous intelligent pour nous comprendre le nèg yo ba nous distraction. Faut nous intelligent, on voit. Donc même pense que samedi a c'est négociation pour nous faire avec monsieur et puis goûter que passer nous, mais étant donné tout le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Je bagaille yop vi la nek BRICS yo qui s'est allié Poutine et nek sa yo koulia la yo contrôle plus fort économie mondiale là. Et il y a plus de population avec yo que monde occidental là. Et comme Poutine dit même son nez qui a un bon cœur, d'après Jean-Louis, moi je me suis regardé et je dis bon, mes amis, on va y aller, on va y aller, ça, il va arrêter comme ça. Oui, on va aller mettre Georges. Parce que. Tout le monde a intérêt à y aller. Je suis toujours à gommer, mais pour qui je gommer? Pour Pépiti, oui, je ne veux pas aller au pays où à bail. Petit coup, bah, aux autres, je passe petit à des, je me dis, bon, ça fait mon goût, mais. Défenseur de la veuve, de l'orphelin. Moi, je me bats avec mon sac de café. Ok, je prends nous en pitié, qui est très bon pour les Haïtiens. Vous comprenez? Donc, moi-même, si ça fait moi-même, je préfère, c'est Trump qui passe. Parce que politique et Biden mené contre Haïtien, bah, ça c'est. Ni plus que zéro. Ok, c'est Biden même qui a tiré, non? C'est lui même qui est chef là. Donc, même si je bataille, mais c'est comme ça que passé, même ma position, moi. Je demande tout à Haïtien, et voter Trump plutôt. Si Trump passe, au moins, nous avons espoir. L'espoir fait vivre. Mais avec Kamala, nous n'avons aucun espoir. D'ailleurs, Kamala a accusé. Il a accusé Kamala comme. Nous ont commis ce gouvernement qui était plus noir dans la prison. Et puis, ils ont toujours sollicité des peines de prison très lourdes pour les Noirs. Donc, vous déjà, ouais, ils mettaient la tête, ils sont blanches. Donc, vous déjà, ouais. Et nous avons une direction de parler. Trump parlait, mais même analyse, Trump, en vérité, je ne sais pas si c'est plus mauvais que ça. Man. Oui, à monter grâce à descendre. Non, madame, je ne veux dire, M. Voltaire, c'est même qui a dirigé, qui est coordonnateur conseil de présidentiel de transition. Hein? Et dans une décision qui baille, il envisageait faire un remaniement en de cabinet ministériel. Là, et en de remaniement, ça, et il se pourrait que y ait environ 7 conseillers qui sortent avec et qui sont notes pour qu'il soit capable, soi-disant, révoquer pour une ministre Gary Conny. Dans la situation, dans le contexte que nous avons là, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est nécessaire, normalement, ça? Bon. Si on va pas fonctionner ensemble, il y a beaucoup de toute la journée. Il y a une décision pour moi. Et qui est-ce qui est nommé Gary Conny? Ce sont les prétendus du conseil. Ah, c'est ça, enfin, quoi? Donc, l'autorité de nomination est aussi l'autorité de révocation. Ça le t'a doyé. Ok. Et il me fait confiance. Nous, j'aime moi-même un exécutif. Mais pas pour vous dire pour nous avoir ça. Parce que moi-même, c'est avec le fait militaire, mais par exemple. Ben, l'insécurité, d'après moi, a fini à moins que nous, Trump, t'avons le pouvoir. Et je vais l'expliquer comme ça. La police nationale, ensemble avec l'autre Green Moon, qui est ensemble avec nous, qui ça a fait?
comment vous voyez l'insécurité? C'est un coup pompier. Oui, mais quand vous avez couru à l'air, après ça, vous tournez la caillou. Mais quand vous avez non! Son technique offensive pour rien. On fait prévention. C'est pas oui, mais dit fait et puis tout le monde courir. C'est pour l'aldeye, mon yo, aldeye, base, non, base, aldeye, chef en tête là. C'est là ça nous fait travail. Mais toute la fois, nous, Chita, c'est après coup, et puis nous, nous courons aller, nous, belle, et bien, on va aller. Et puis, ça fait, nous, nous prenons confiance, nous réalisons que nous, c'est joué après, bah, ça n'a pas réglé comme ça. Maintenant, c'est le militaire qui parle. Mal là, on côté c'est aller pour déraciner. C'est pas tant de mal. C'est... Bon, bon, reste là. C'est des actions préventives pour faire. C'est là ça, on peut travailler. C'est avant de l'attaquer, hein, ou même ou attaquer ou enfant. Côté où il y a une niche, côté où il y a une déniche, ou craser une niche là. C'est ce que j'ai appris. Est-ce que j'ai moyen pour ça? Comme si pour comment on n'a pas moyen? C'est comme qui moyen quand nous bien avec vous? Quand nous bien avec vous? Soit disant comme nous. Qui moyen vous avez après un physique avec vous? Qui moyen? Qui est moyen vous avez bien avec vous? Il y a un facteur. Il y a un facteur. Il y a un temps? Il y a un agent. Ah! L'argent, ça, on va faire. Je vais payer les gens, aller camper, suivre pour eux, rapporter pour eux, après c'est tout. Moi-même, la police a gagné tant que nous. La police a gagné. Faut que la police a gagné des bazookas, faut qu'il y ait des grenades, faut qu'on sait de l'autre bagaille. Mais en même temps, il y a rien de bon. Et bon, faut camper, mettre dans le jeu, je pense que. Jusqu'à là, je n'ai pas aucun problème avec lui, non? Mais bon, bah, il dit qu'il est extrêmement important pour me faire tirer à l'aide. Qui moi un bandit qui est dans mes yeux? Bandit qui est moi un communication dans mes yeux. Ya! Parce que, gros bagay peut-être un pile moun pas remarqué. Joune jodi, je m'ap gade Jean Neg et Coalition Gang Vive Ensemble dans Jean, yo a fait communication sous tout réseau, yo sous TikTok, yo tout partout, yo a vendu idéologie. Chaque jour, plus y a plus de monde qui vient garder, y a plus de monde qui vient tendre. L'État n'a pas pris aucune disposition contre ça. Ça, c'est une. L'autre bagaille, l'autre, y a une institution, la police, qui est infiltrée. Côté que vous attendez au plus haut niveau de la police, nèg bandi y a des gens, nèg bandi y a des policiers qui sont gang. Policiers encore pral utiliser moyen la police pour porter des armes, pour porter des balles, des bandits. Policiers encore, les opérations qui ont monté, ils vendent information, ils baillent information à bandits, etc. C'est facile. Oui, c'est la police qui a monopole légitime violence en mais l'on police qui a une série, l'on police qui plaint tout, l'on police qui corrompt, l'on police qui politise, résultat, c'est sa population à vivre, je dis. Oui. Et c'est peut-être une bagaille que moun yo pas tenu compte de lui. Situation difficile que la police journée jodi à cause qui est à cause et politicien à cause moun k'ap fè mauvaise politique à cause moun k'ap prend mauvaise décision etc. C'est ça réalité en yé. C'est ça me veut nous comprendre journée jodi an. Jean pays en bralé là je situation pays a déroulé nous pas ka permettre nous pas gen luxe pour n'a permettre à ce que nèg ki au pouvoir yo y a perdu temps y a fait moun perdu temps etc. et puis entre temps rien pas réglé pour moun qui dans situation vulnérable yo pas gen sécurité pas gen stabilité la vie chère a toujours même volume non rien pas ka fait dans pays an, non li pas possible et nous gen ancien président Jostéan Privé j'ai annoncé li. Nous connaissons déjà Privé, c'est un allié sur République Dominicaine, au même titre que les Leslie Voltaire. Eh bien, Privé vient parler sur la situation pays, hein, principalement, genre transition en te bâti, le lui-même époque
président transition avec journée aujourd'hui, elle fait parallèle, li ba un paquet de détails sur Martelly, sur politique là, elle finit avec Victoire Donald Trump et comment diplomatie a ka établi pour permettre que gon lot politique étrangère que Haïti mené avec l'autre allié et soi-disant allié ou soi-disant ami yo et dans international là. Donc nous pral tande ki sa changement de paradigme ta supposé yé avec avec Privé qui lui-même li a baillé des détails. On va attendre ensemble. C'est un petit matin pour me partager. Bien content, nous bien content que monsieur le président ou un fonctionnaire de carrière ou de travail dans l'État, vous occupez de votre fonction, sénateur de la République, président de la commission économie et finance. Où tu es dirigé un pays pendant une période de transition, 14 février 2016, 7 février 2017, et quelque part, c'est au nom de cette expérience de la transition que nous avons initiée avec vous, une série de conversations que nous avons. Qui ont certaines expériences par rapport à la transition actuelle, la façon dont nous avons cherché les leçons apprises. Et à comment avancer avec un minimum de clarté, de lucidité et compte tenu. D'abord, l'heure de transition, ça veut dire qui disposition constitutionnelle qui encadre la transition, hein? Comment la constitution est web. Processus là défini après amendement constitution 96. Chaque fois que nous parlons de transition, ce qui veut dire, ça sous-entend qu'il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. Que nous devons prendre à certains moments que nous ne pas prenons. Il arrive à un certain moment. Moun qui était dans tête l'État, pour une raison ou pour une autre, l'objectif du pouvoir. Et à ce moment-là, il faut un mécanisme qui peut permettre deux cas. 91-94, il y a eu renversement du président Aristide et un vide, une vacance au niveau de la présidence a été créée. Et cette vacance devrait être comblée. Et en 2016, le président Martelly est arrivé au terme de son mandat. Il n'y avait pas de successeur élu. Il y a une vacance au niveau de l'exécutif. Donc, il fallait combler. La transition a comme essence d'assurer le plus rapidement possible cet indispensable retour à la normalité constitutionnelle. Quels sont les articles de la Constitution qui gère cette situation? En plus, le monde pense que ou pas doué gagner vacances au niveau de la présidence. Ce n'est pas effectivement vrai. Quand on prévoit plusieurs cas où un président de la République li ka forcé, li ka quitté le pouvoir, maladie, décès, incapacité physique ou mentale, et que par démission personnelle. Et ça crée un vide, ça crée une vacance. Et cette vacance, pour être comblée, on se réfère aux dispositions de l'article 149 de la Constitution. Et cette Constitution, cet article aussi, lui prévoit dans qui espace temporel transition ça a assumé pour que rapidement le retour à l'ordre constitutionnel soit rétabli. Malheureusement, dans tout cas nous passé là, à chaque fois qu'il y a vacances présidentielles, nous provoquons une vacance gouvernementale. Et comme il y a vacances gouvernementales qui succède à la vacance présidentielle, nous trouvons à recommencer le temps qu'il faut pour former un gouvernement, pour nommer un premier ministre. Deuxièmement, depuis 1990, les toutes premières élections générales organisées sous l'empire de cette constitution,
pour effectivement nous décaper des élections de 88 du professeur Maniga. On n'a jamais arrivé à mettre en place le conseil électoral permanent. Et à chaque fois qu'il y a une transition, nous obligés d'en reconstituer un conseil électoral provisoire. Donc, ces deux événements, un, la vacance au niveau du gouvernement qui n'est pas indispensable, qui n'est pas une obligation en cas d'une vacance présidentielle, l'inexistence du conseil électoral permanent, c'est deux éléments ça yo, qui fait que toute transition li excède durée de 60 à 120 jours que la Constitution en prévoit pour nous sortir là. Au moins, la mise en place du conseil électoral permanent est indispensable pour finir une fois pour toutes avec cette transition. Mais par contre, il faut ajouter un autre élément. Les présidents élus ne sont pas toujours enclins à organiser l'élection. Ils veulent toujours provoquer ce vide parlementaire qui leur donne les pleins pouvoirs pour diriger le pays par décret. Or, la transition, d'une manière générale, découle des velléités des présidents élus à ne pas respecter les dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne le renouvellement du personnel politique. OK. Moi, je comprends, là, clairement, qu'on défaillance dans mes palais des institutions qui est louée permanent, qu'on culture démocratique et républicaine qui fait que toujours qu'on quête, et pour la quête du pouvoir, probablement, qu'on aventure politique qui toujours, après, que quelque part, ça a mis nous dans certaines stabilité. Maintenant, au 14 février ou 2016, où il y avait président provisoire au terme d'une élection indirecte, c'est parlementaire voté au dépend de M. Leblanc, et où réaliser élection avec l'agent l'État et ses adversaires politiques, ou M. Moïse, ou du moins, on ne dit pas issu en disant ça de la même famille politique que au même qui vivait à la présidence. Comment démarche ça t'es construit? Et d'autres dieux m'abdiou, les négociations qu'on avait entamées avec le président Martelly dès la fin du mois de janvier 2016, lorsque le conseil électoral avait décidé de renvoyer sine die le deuxième tour des présidentielles, il n'était jamais question de l'élection d'un président provisoire. Au 7 février 2016, le président Martelly a complété son mandat de 5 ans. Malheureusement, il n'a pas su organiser les élections qu'il aurait dû organiser pour arriver à l'élection de son successeur. Son départ, de toute évidence, va créer un vide au niveau de l'exécutif. Deuxièmement, le gouvernement qu'il avait appointé, dirigé par M. Evans Paul, n'avait pas été ratifié par le Parlement. Donc, ce qui veut dire, au grand vide au niveau de la présidence, ou gagne un gouvernement qui est dépourvu de toute légitimité constitutionnelle. Donc, quelle était la démarche? Il fallait encourager le président Martelly à entamer des discussions, des négociations avec les acteurs politiques et les blocs politiques représentés au Parlement pour nommer un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre allait former un nouveau gouvernement, et c'est ce nouveau gouvernement qui allait gérer la vacance au terme de l'article 149 de la version amendée de la Constitution. C'était ça la. Mais le président Martelly, qui n'a jamais abandonné ses velléités de rester au pouvoir jusqu'au 14 mai, a tout fait pour ne pas aboutir à cet accord. Et en fin de compte, l'évidence du 7 février arrive, et le 5 février, comment gérer ce vide au niveau de la présidence? Le Parlement était rendu fonctionnel dès le mois de janvier 2016, à ce moment-là, au terme de l'article 149, qui prévoit cette forme de combler une vacance au niveau de la présidence, et les termes de l'article 98.3 de la Constitution alinéa 8
qui prévoit l'élection par l'Assemblée nationale de président provisoire. On a abouti à l'accord du 5 février 2016. Et c'est cet accord du 5 février 2016 qui renvoie à l'Assemblée nationale pour élire un président provisoire. Mais la démarche initiale n'était pas d'élire un président, c'était surtout de former un nouveau gouvernement qui allait gérer la transition au terme de l'article 149 de la Constitution. Maintenant, prise de pouvoir, ça demande des constitutions d'alliance, de coalition avec des politiques et des groupes, des acteurs politiques avec des alliés et l'autre. Et moi, Vitando, sur comment ils construisent et alliance ça, et particulièrement, quid de cohabitation entre président et premier ministre avant nous prendre exemple par de cohabitation avec M. Henri Jean-Charles. C'est pour moi le moment pour les Haïtiens de comprendre que la gestion du pays, la transformation de ce pays est de leur seule et unique responsabilité. On peut toujours avoir accès à l'assistance internationale, mais la décision nous revient. La décision de construire notre pays, de la transformer, et de permettre à nos concitoyens de vivre décemment, j'aimerais même dire, de vivre tant qu'au monde, c'est pas à nos amis de la communauté nationale qu'il faut s'attendre. C'est à nous de nous serrer les coudes et travailler pour le bien-être de nos concitoyens, comme l'exige la Constitution. Moi, comprenons, en dernière question, en 30 secondes, et M. Trump va être le 20 janvier au niveau diplomatique. Et comme Haïti a repositionné, nous avons vu au moment là de grand temps, en tout cas des mois après une année là maintenant, de grande tension avec la République dominicaine. Et ces deux dossiers-là, comment selon vous les aborder au plan de la politique étrangère d'Haïti? Moi toujours répéter cette phrase du professeur Grégoire Eugène. Toute nouvelle. On peut tout faire pour Haïti sauf changer sa géographie. Haïti a une frontière commune avec la République dominicaine. Les États-Unis sont à 1,5 heure d'Haïti et est le premier partenaire d'Haïti. Comment Haïti doit pouvoir définir ses relations avec ces deux pays? Il nous faut une nouvelle dynamique dans nos relations avec ces deux pays. Une dynamique empreinte de respect, mais aussi d'avoir des gens disposant de la capacité à bien mener la diplomatie haïtienne. Et voilà, nous entendons ancien président Jocelyn Privert qui lui-même lui t'a bail des détails sur situation politique pays, t'a répondre question et sous processus transitionnel. Donc moi personnellement pas vraiment gain commenter en bra le fait parce que nous connaît nous fait expérience politique avec Privert. Et les moun sa yo a parlé en pile fois l'ont attendé ou a comprendre c'est saint ou a comprendre c'est petit Jésus dans pou crabe et puis c'est leur al fourer doit dans boucho leur doit leur qui to sans doit là les so pral réaliser c'est 40 clou nèg sa yo et c'est belle parole belle discours yo gagné mais rien de sérieux rien d'important rien de sérieux. Et bon, c'est là, on a mis un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Hein. Son plaisir pour nous déposer information, c'est là pour vous. Restez connectés avec Chanel. Là. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo de formation. Et merci tout le monde. Très bon week-end. À la prochaine. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays? Et puis, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial, c'est tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.